Améliorez votre expérience sur Internet avec Surfshark. Regardez tout le contenu que vous souhaitez, où que vous soyez. Faites des économies sur vos achats. Préservez votre confidentialité lorsque vous surfez sur Internet. Le meilleur bon plan de Surfshark est disponible ci-dessous. Non, ils ont travaillé la récup. C'est quand jouait tout le match, ils ont récupéré. Et puis hier matin, il y en a qui ont travaillé devant le but et ils ont fait des courses aussi. Pour combler le match. Non, ça va, il était pas trop. Il était pas très très collant. Non, ça va. Mais il a joué pratiquement 70 minutes. Ah, et je pense que on verra comment il peut tenir là pendant le match, on verra. Et il s'entraîne normalement depuis 15 jours. Et il a la capacité de pouvoir jouer un minimum une heure, hein, quand même. Hein. Bah, ça redonne de la confiance à nos attaquants, ça redonne de la confiance au groupe. Voilà, après, c'est pas le même adversaire qu'on va rencontrer, c'est une belle équipe devant nous, voilà, qui est costaud, qui défend très bien, qui attaque bien. Voilà, il va falloir qu'on soit bon dans tous les registres. Encore une fois, c'est un match de Ligue 1 avec l'intensité. Il va falloir qu'on soit présent, qu'on réponde présent dans ce qu'ils vont nous amener, nous proposer en face de nous. Et puis nous, être bons avec le ballon, techniquement, dans le déplacement. Et leur faire mal aussi à travers notre jeu. C'est là. Ben ouais, mais sur la phase aller, on a eu du mal à gagner des matchs à domicile. Le match qu'on avait gagné, on a perdu 3 points. On avait gagné. Et voilà, il faut qu'on gagne des matchs, bien sûr. Si on veut, il faut qu'on fasse une deuxième partie à domicile bien meilleure que la première. Ça, c'est une évidence. Non, ils avaient même joué de position l'an dernier, ils avaient pratiquement les mêmes joueurs. Il n'y a pas eu beaucoup de changements dans leur effectif. Ils avaient retrouvé un milieu de terrain, Ben Taleb qui est arrivé aussi. Voilà, et après devant, ils avaient pratiquement les mêmes joueurs qui étaient là. Non, c'est ce qu'on va proposer qui va nous permettre de marquer des buts. Voilà, et puis d'être efficace, parce qu'on a eu beaucoup de situations aussi, à domicile aussi, où qu'on n'a pas mis au fond. Hein. Autant on était efficace quand on est arrivé l'an dernier, autant là il y a moins d'efficacité. Et ils font que derrière tu. C'est l'adversaire qui mène au score et c'est toi qui cours derrière l'adversaire. Ouais, l'an dernier, c'était nous qu'on performait de suite et c'était l'adversaire qui courait derrière nous. Hein. Et les espaces s'ouvraient un peu plus. Voilà. À nous d'être chirurgical aussi quand on a les situations pour mener au score et pour faire ouvrir un peu les espaces aussi, un peu plus d'espace pour nous aussi. Ouais, après je te dis, c'est un match de coupe, c'est un match contre un adversaire d'un niveau bien inférieur que la Ligue 1. Et oui, il a bien fait ce qu'il a eu à faire. Après, il aurait mérité de marquer le but ça frappe du pied droit. Ah, c'est dommage pour lui. Mais oui, on attend en confirmation comme tous les joueurs. Il faut toujours confirmer tout le temps, de toute façon. Le football, c'est un éternel recommencement. Il faut tout le temps se remettre en question et être bon tous les week-ends. Oui, non, parce que c'est un joueur intelligent. Ouais. Il lit bien le jeu, il sent le foot. Il défend bien, il sort bien les ballons. Ouais, c'est ce qu'on attend d'un bon défenseur. Il t'étonne ? Non, par rapport à l'âge qu'il a, oui, il s'est vite mis dans le bain. Il n'a pas démarré le championnat quand il est arrivé. Il a observé et il a regardé comment travailler.
Et après, il a montré sur le terrain. Hein. Pourquoi il ne jouerait pas ? Aujourd'hui, il joue à Lille, contre Lille. Hein. Au moment, il n'est pas question d'un départ ? De toute façon, s'il y a un départ, on verra. Pour l'instant, il est parti pour jouer, là. Tu l'as senti percuté ? S'il part, il partira lundi, ou mardi, ou mercredi. Tu l'as senti perturbé ? Non, oui. Du tout. Non. Toi, quel est ton souhait ? Moi, mon souhait, c'est qu'il reste ici, pour l'instant. Et après, si le club a une bonne offre et qu'il est amené à partir, ben, il va falloir... sera à mesure de le remplacer aussi. Et... Bon, il souhaitera bon vent et bonne continuation. Ben, sur les derniers matchs qu'il a fait en fin de saison d'année et ce qu'il montre actuellement, ouais, il a retrouvé un bon niveau, il est plus dynamique. Voilà, il défend bien et il essaie de bien sortir les ballons, pareil. Voilà, il est efficace dans ce qu'il fait. C'est ce que j'attendais de lui. Hein. C'est ce que j'attends de tous les joueurs tout le temps. De toute façon, il faut ce que je vois en semaine, il faut que ça se répercute tout le temps. Il n'y a pas de revanche. C'est, ils ont revu leur match, ils ont revu ce qu'on a fait. Voilà, il faut que tout le monde élève son niveau individuellement pour que le collectif soit fort. Et voilà, quand on est sur le terrain, on a un jeu de position. Chacun a son rôle à faire sur le terrain. Et il faut que tout le monde le fasse bien. Il ne faut pas que ce soit qu'un joueur, il faut que tout le monde s'articule bien et qu'on le fasse bien ensemble. C'est ce qu'on a très mal fait à Brest. À Brest, on n'a fait que reculer, on ne défendait pas en avançant, on subissait tout. Quand une équipe qui était en confiance, hein, si tu laisses faire 50, 60 centres à l'adversaire, ben, à un moment donné, ils claquent hein, les buts, hein, parce qu'ils ont des joueurs. Qualités qui sont là présents.